Bonjour, Nadmoun. Nadmoun. Miron. Mais qu'est-ce qu'il est sur la table là? Tapis mendiant. Mais c'est un très beau tapis mendiant. Nous sommes avec Mamie France à la possession qui t'en fait un tapis mendiant. Elle choisit des belles couleurs. Il est vraiment magnifique. Mamie, il va prendre en main comment il fait? Mais le mivet est un grand couturier. Ah bon? Oui. À monte à moi. Oui. Allez, alors. Pièce par pièce. Pièce par pièce. Bref, on compte combien de pièces, Nena? Mais ça t'a apprendre qui ça? Vous l'avez pris tout seul. Mais vous pensez bonne jeune mamzelle comme elle a, il a fait ça où? Mais maman, il faut pas faire la pièce aiguille. Parce que tu gardes la tradition de la Réunion, c'est la tradition de notre pays. On a obligé de faire plusieurs panneaux comme ça. Oui. Ouais. Je travaillais pour tout le monde. Je faisais des robes, Et les gens te connaissent, fallait venir voir Mémé France. C'était Madame France à l'époque. Oui. Mamzelle France. Mamzelle France. Je travaillais pour tout le monde. Je faisais des robes, des robes de mariée, de la communion et tout ce qui s'enchaîne. Ah oui, robe de mariée, j'en ai fait de quoi. C'était faire la grande traîne et tout. Ouh, ah oui. Et pour aller au bal aussi alors. Ben oui. Et pour aller monsieur aussi. Ah non. Bah quand il y a que bonne madame fait ça, quand bonne monsieur fait pas ça. De la mode, encore il y a tout ça. Ça téléphone toute la journée. Même dans l'église, pendant la messe. Mais j'espère qu'il y aura toujours de monde pour faire ces jolies choses là. Et surtout pour apprendre aux autres. Merci bien d'avoir monté à moi vos talents. Mais je vous bonne journée, à la prochaine.